Donc, je vais essayer de faire le montage rapidement, sans peinture, ni design, tout ça. Juste rassembler les pièces de façon rapidement, si c'est possible. Donc, ici, j'ai un modèle Going Merry pour son 20e anniversaire de l'animé. Donc, c'est un modèle en plastique qui devrait être assez simple à monter par rapport au métal et en bois. Donc, dans le paquet est composé de deux sachets. Donc, un sachet avec le pont, le filet, le mât, le support sous forme de vague, la mer, avec le pont arrière, devant et le cabinet. Dans le deuxième paquet, on a la coque, les escaliers, les échelles, les clémentines, les arbres de clémentinier et le manuel. Voici le manuel, le autocollant donc je vais passer vite fait au niveau design, tout ça. Pour la peinture, tout ça, je vais essayer de faire le plus vite possible au niveau assemblage. Donc, le manuel d'instruction qui est en japonais apparemment, très bonne qualité, très épais. Le papier utilisé en couleur d'un côté et l'autre côté c'est en noir et blanc. Voilà. Donc, les dessins sont assez gros, assez faciles à comprendre, mais tout est en japonais ou chinois. C'est en chinois, japonais, je sais pas trop, je ne lis pas le japonais ni le chinois. Là, il y a ici, c'est écrit Made in Japan. Non, c'est du japonais. Donc ici on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4. 4, c'est en 4 catégories. La coque, couleur brun, couleur jaune, le pont, le mât, le cabinet. Le troisième, c'est la voile. Et le quatrième, c'est le support du navire, sous forme de vague eau. Et le petit sapin qui doit être des clémentiniers de couleur verte. Voilà. Donc je vais chercher Google pour traduire vite fait ces explications. En gros, parce que j'ai ici un doublon. Donc, il y a la couleur blanche et il y a la même chose mais en couleur jaune brun. Donc deux fois pareil. La voile, pareil, j'ai le blanc et j'ai le brun. Donc je sais pas si c'est pour le choix, on va utiliser la couleur monochrome, la même couleur, ou bicouleur avec le blanc, ou c'est rassembler les deux ensemble, je sais pas trop. Donc il faut que je fais la traduction avant pour voir dans son ensemble qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce que je dois faire. Voilà, donc je vais essayer de faire la traduction tout de suite. Donc je vais faire des copies de texte et faire traduire. Les autocollants pour la voile, pour la coque et les pavillons, tout ça, les portes. le pont, la cabine, le support de vague, le pont, l'aimant, le filet, sapins sont orange. Troisième. Je me redirai directement. Bon, après vérification avec Google Translate, il n'y a pas grand chose à savoir. Donc, pour ce qui est les doubles couleurs pour les mêmes pièces, aucune information, ils n'en parlent même pas. Donc, je vais donner quelques explications sur l'instruction en japonais. Donc, les pièces sont numérotées, donc il faut découper les pièces par rapport à l'instruction pour l'assemblage. Et on passe aux petites informations qu'il y a sur la notice qui est en japonais. Donc ici par exemple, c'est dit en fait autocollant. Donc, avant d'installer, avant d'assembler toutes les pièces, il faut coller les autocollants en premier. Comme ici. Là, à chaque fois, il y a deux petits mots en japonais. C'est-à-dire, il faut coller avec un autocollant pour ici. Une fois collé, on assemble. Donc, pareil ici, autocollant. Pour les... Je vais vous montrer en même temps. Autocollant, non? Les hublots pour les fenêtres et les portes, donc coller les autocollants, clipser. Ici il faut faire attention, je pense, avec les trois petites flèches rouges. Autocollant, autocollant partout dans les portes, coller autocollant avant d'assembler les pièces. Ici donc pareil, là je crois que c'est les autocollants transparents. Donc il y a des autocollants transparents. C'est en trois parties en fait, 3 ou 4 parties. Et bah, il faut faire attention au sens. Donc, ici, c'est dit faire attention au sens de l'autocollant parce qu'il y a cette partie, il y a une partie pour la gauche, une partie pour la droite. Donc attention à sélectionner les bonnes feuilles d'autocollant. Après, donc ici pareil, autocollant translucide, je pense. Donc attention au sens, par exemple celui-là. Donc ici, ils nous dit qu'il faut rassembler l'arrière, la navigation, la pièce de navigation en premier. Il faut assembler celui-là d'abord avant d'assembler les grosses pièces. Derrière, en noir et blanc d'eau. Ici, personne va installer la pièce gouvernail sur cette pièce en premier avant de rassembler toutes les pièces. Sinon, vous n'aurez pas accès aux manipulations de la pièce ici, puisque tout sera fermé. Donc voilà, donc ici il y a des petites, donc faites attention, je pense, c'est ce qu'il veut dire. Et là, donc autocollant pour les hublots de la cabine. Et là, c'est deux pièces, ici c'est les deux pièces sans porte, juste les deux hublots. Il faut installer en dernier ces deux pièces. C'est-à-dire il faut rassembler celui-là, celui-là sur le pont et installer seulement les deux pièces avec hublot en dernier sur le pont arrière. Et après, qu'est-ce qu'il y a encore? Donc ici il n'y a rien d'expliqué. Là on voit qu'il y a sur le dessin il y a des oranges, des clémentines, mais en fait il n'y en a pas. Sur le truc on n'a pas, donc on n'a pas non plus au niveau autocollant pour coller des petits boutons orange, donc c'est un peu trompeur ici. Après on a la proue avec les deux barres sur le côté, donc autocollant pour les yeux, donc que j'ai vu un peu avant, les yeux. Où est les yeux? Donc je pense que ça doit être ça, non? Numéro 22, 23, 42. Par contre moi je vois pas du tout. Ah, c'est là. 22, 23. C'est les yeux pour la proue de Merry. Donc on peut trouver ici, à côté des pavillons de Merry. Donc coller d'abord des autres couleurs avant d'assembler des pièces à chaque fois. Ici le mât. Ah oui, je pensais qu'il y a deux mâts, en fait c'est juste un mât mais découpé en deux, donc il faut rassembler. D'accord, je pensais qu'il y a deux mâts pareils, identiques, mais non, c'est une seule pièce découpée en deux qu'il faut rassembler. Et là, ça voulait quoi là? J'ai pas fait attention ici. Là, je peux pas expliquer. Donc, coller d'abord l'autocollant. Donc, on n'a pas ce logo, on a ce logo à la place. Donc, il y a plein de petites erreurs comme ça. Donc, coller d'abord l'autocollant sur la voile. Et, du coup, j'ai que ça. J'ai rien d'autre. Hein. Il n'y a rien d'autre. Coller ça. Pour le vigile. Le panier de vigile. Ah, ici, il faut coller des deux côtés les autocollants. Des deux côtés. Il faut coller sur le pavillon. Et pour la dernière page, donc il y a les bandes rouges qu'on colle sur la, il y a une tache là, non il n'y a rien, on dirait quelqu'un a mangé dessus. Donc je disais, donc on utilise les autocollants pour coller sur la partie prégantine, c'est ça, ou misange, je sais pas quoi là, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai oublié. Donc coller chaque barre d'autocollant rouge sur la voile triangulaire. Ah, il y a le numéro pour chaque partie en plus. dans le numéro ici. Après on colle dessus. Et voilà. Là, j'ai pas fait attention, j'ai pas vu avant. Donc je sais pas ce que ça veut dire. Donc sûrement insérer dans la fente après ouais, rassembler la coque. Et ici l'encre, on peut accrocher sur le pont avec la barre de barrière, on peut accrocher dessus, c'est ce qui est expliqué ici. Donc après voilà, ici c'est le support, faites attention ici au niveau assemblage, donc faites attention. Et c'est fini. L'explication vite fait, mais c'est ce que j'ai compris avec la Google Translate. Et en final on obtient un truc comme ça avec autocollant. Donc ici c'est la voile, ils ont pris la voile en couleur blanche ici derrière, et là le pont, ils n'ont pas le pont et le bonhomme là, la tête, la proue, ils n'ont pas utilisé la couleur blanche. Vous avez le choix, donc apparemment soit vous mettez tout en couleur monochrome comme ici, soit vous mettez en couleur blanche. C'est la version originale, je crois, ou les premières images de One Piece, je crois c'est comme ça. Après ils ont changé couleur, je crois, hein. Parce que pour le 20e anniversaire, grand ship collector. Donc voilà, au final vous avez le choix. Je préfère du blanc pour la proue et pour les barrières de devant, sur le pont. Là, l'autocollant. Ça, là on peut voir après voilà, on peut voir le pavillon couleur des autocollants qui a été fait. Donc j'utiliserai le blanc pour les barrières sur le pont ainsi que la proue. Là on voit des couleurs orangées, non, sur celui-là. Par contre sur le vrai qu'on a, on n'a pas. Voilà. Fini.